Hey, salut! Bon, avant que la vidéo commence, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne, de lâcher ton plus gros pouce bleu pour cette vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos, c'est super important. Comme ça, tu vois, je veux que tu sois là dans toutes mes vidéos, et de mettre un petit commentaire sympathique en dessous de la vidéo. Voilà! Lol. Donc, sur ce, je te souhaite un agréable et bon film d'horreur. Allez, salut mon pote! Et voilà les gars, ma baraque que j'ai achetée. Allez, frérot. Oh, mais mec, t'as gagné le Putain, loto, c'était quoi, tu viens un peu magnifique. à la taille. Non, les gars, j'ai une affaire de ouf. Franchement, j'ai. Bah, on peut rien dire. Genre, Ouais. c'est une maison un peu éloignée de la ville en plus, tu vois. Wouah, je Et confirme, elle là, est je suis. magnifique. Ça change, je voulais quand même un peu des petits appartements en ville ou En plus, il y a de quoi. bons spots hein, pour mettre. Enfin, je vous Ah, expliquerai à ouais. l'intérieur. Enfin, genre, J'ai déjà ouvert la porte en cas où. Ah, Edgeware? Ok, super. Ouais, Ok, bah, y a pas bah de nickel, voleur bon. ici, donc bon. Alors, je suis désolé, c'est un truc que je trouve vraiment satisfaisant, c'est tester les sonnettes sur les maisons. Et génial. Allez les Ouais, gars. marche nickel les Oh là gars. là la vache, mec, elle est J'ai sonné. wow. Oh putain, Putain, vous avez vu ça les y a même un gars? aquarium. Ouais, mais Les les gars, y a gars, même vous des poissons voyez? ici. Tous les Wow. meubles, les gars, je les ai eus. Attends, Enfin, faut c'était que devant la je maison, te pose pardon. une question. Attends. Ouais. Est-ce que ça dit ou pas? Je pose des caméras un peu partout parce qu'en fait, j'ai acheté de nouvelles caméras de ouf, hein, des nouvelles caméras de haute technologie qui sont sorties et tout ça. Et mec, j'ai fait des économies et tout. Et là, en fait, j'ai regardé des reportages sur trucs paranormaux et tout. J'aimerais bien filmer, tu vois. Genre filmer. Ah ouais, ok. C'est quoi un peu les caméras, tu peux faire voir? Ok, alors attends 2 minutes, je vais prendre ça dans mon sac. Ouais, mais avant que tu fasses quoi tes caméras, je veux Oui, bien oui. sauter dans ma chambre, je Ouais. veux faire un peu visiter et je veux Ouais, montrer peut-être ma parce chambre, tout que. ça. C'est quand même des caméras, enfin, c'est bon, enfin. Là, on est Ouais, genre plus réaliste regarde, que. t'as vu, j'ai le trépied et tout. Ah Genre. putain, bien joué. Ah C'est ouais, c'est stylé, en vraiment pas plus, mal du tout. c'est de la Ouais, bonne putain, ouais. qualité, ça, non? Bien joué, bien joué. C'est des. Ouais. Ouais, c'est de T'as acheté ça la combien, qualité. mec? Très très cher. Le prix de ta maison, non, je rigole. Non, pour de Non, vrai, encore ça, je pense pas. bon, non, pour de Ouais, vrai, les bah. gars, je vous avais dit que je travaillais comment dire, à une société de caméras, bah je les ai volées dans les rayons. Ah, ok, je Ah, vois maintenant. bon, Mais c'est pour plus être clair franc, alors. non, mais écoute, écoute-moi, je sais, c'est pas bien de voler ou quoi, mais je suis un peu la déche en ce moment. Du coup, bah, j'ai vu qu'il y avait des caméras, il y en avait plein dans les stocks, et c'est des caméras 4K qui valaient 1200 euros la caméra. Je me suis dit, vas-y, bah autant prendre une belle opportunité. Attends, les mecs, ils me payent même pas de quoi m'acheter une caméra. J'ai même plus de quoi m'acheter une PS4, quoi, sérieux. Donc c'est bon, attends, je travaille pour eux, le minimum, c'est d'avoir des caméras. Voilà, donc je Le mieux rigole. c'est d'avoir des caméras. C'est Je pensais clair. quand même que t'avais utilisé ton argent. Moi, je suis un peu déçu de toi quand même, hein. Mais bon. Mais non. Mais au passage, j'ai même volé un iPhone 10 qui traînait. Enfin bref, Ah ouais. vas-y les gars, Bon. on fait quoi? Bah du coup, Attendez, on visite, regardez non, les parce gars. que on connaît pas trop la maison, tout ça. Moi je veux bien la visiter les gars. Regardez, Oui. Ah bah alors tiens, vous ici, savez quoi? les gars, ça c'est mon salon. Et je vous dis, tous les meubles, c'était déjà dans la maison, Wow. vraiment. Donc ça, du coup, c'est le Alors salon, les gars. attendez. Alors, Vous tu voyez cette permets. télé, putain? Attends, alors Ouais. attendez, faut que je la configure. Tac, alors attends, 2 minutes. Voilà, attends, je la configure. Tac, tac, Ok. tac, bougez pas, les gars, bougez pas. Oh là Voilà. là, c'est parfait, ça filme l'autre pièce, les plans sont magnifiques. Je vais mettre une caméra dans l'autre pièce, Oh vous pouvez putain. visiter les hauts, les gars. Je vais m'occuper des plans. Caméra. Oh mais Oh c'est là 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 du coup ça c'est la cuisine les gars. Allez, je vous Ouais. dis c'est un truc de ouf genre C'est bon. Oh wow, toute elle est la cuisine magnifique. compris les gars. Genre Oh là là, y a vraiment j'ai tout filmé ça compris. aussi. Wow. Ah Attendez. non, c'est vraiment Attendez pour joli, faire hein. un beau plan caméra pour bien tout avoir à la Non mais caméra. Alors attendez. attendez. Les gars, Bougez juste un pas. truc. Je savais même pas que c'était dans la maison. Il y a une putain de piscine les gars. Il y a une piscine. Les gars, je suis Non. désolé si ça bloque un peu l'entrée ou quoi. Mais vraiment, là, j'ai un beau plan caméra. Regarde-moi ça, j'ai toute la pièce en stock. Oh là 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 là, c'est trop beau. Oh là là, j'adore les caméras, les gars, c'est ma Non mais passion tellement. Oh là là. regardez les gars moi ça. Oh putain, les gars, on pourra faire des plongeons Oh et tout là là ici. la piscine. Vous imaginez les fêtes qu'on pourra faire ici dans Regardez-moi cette ça maison? les gars. Oh Oh. putain. J'ai une Oh. piscine. C'est quoi les gars? Ça je vais le prendre avec mon petit tab. Je vais prendre en photo, mais genre pas pour espionner ou quoi. C'est juste, comment dire, pour prendre une petite photo parce que c'est plutôt joli. Alors Ouais. attendez, je prends un appareil photo que j'ai acheté moi-même cette fois, hein, je l'ai pas volé. Et ah bah non, Bon il est par cassé parce contre, qu'il est à nul. la piscine, Bon j'ai bah du coup installé les des gars. caméras. J'ai installé des caméras parce qu'au cas où il y a des voleurs ou quoi, on sait jamais. Donc on les voit pas parce qu'elle est Ah cachée, elle est nice. quelque part ici. Oh Et là elle est là, en plus elle cachée. est camouflée. Hey, Ouais, elle est tu camouflée. m'enverras les règles s'il se passe un truc, hein. Oh Ah là mais là, je pose mec, sur obligé. YouTube, 1 milliard Ouais. de vues. Ouais, Bon, oh là là. faut peut-être pas exagérer, hein. Bah bien sûr que si mec, attends. Non mais les gars, par contre j'ai un truc vraiment flippant dans ma maison, les gars. Ouais. C'est ma cave, j'ai assez c'est assez glauque, vous venez voir. Oh, allez hop, je vais mettre une caméra dedans, les gars. T'as une torche pour entrer? Non, j'ai pas de torche sur moi là, Ok. pas non. Mais c'est Ok, éclairé ok, ok. normalement, c'est éclairé. Ouais, par contre, la Waouh, cave, elle est ouais, pas ça très. fait. C'est Ah quoi ce ouais, truc démoniaque là? ah ouais, c'est Ah glauque les gars, je vous l'avais dit. putain! Et bah tu Ouais, sais c'est quoi, pour la ancien quoi. peine, hop là, attends, bougez pas.
Attends, mais même ouais, ici, ouais. Mais... Attendez, il est pas terrible le plan, hop. C'est clos quand même, hein. Ah non, mais je voulais dire, là c'était pour le vin, les gars. Non, là, je sais pas du tout à quoi ça servait ici, les gars. Attends, tiens, mets ma caméra, s'il te plaît. Ouais, tiens. Bon, t'es ici, je sais pas du tout à quoi ça servait. Vraiment, j'essaie de me demander au propriétaire, voilà. Mais il m'a pas vraiment demandé à quoi ça servait. Ok, ok. Bon, bah, parfait, j'ai une caméra ici. Peut-être pour mettre des réserves ou quoi, peut-être ici, hein, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je peux mettre une caméra dans vos chambres, les gars. Ouais, si tu veux, mais pour la chambre, tu mets un cache au cas où, parce que j'ai pas vraiment qu'on me filme la nuit, tu vois. Tu mettrais un cache devant la caméra. Ouais, ok, pas de problème. Ok, d'accord. Bah, du coup, venez, les gars, je vais rentrer aux chambres. Alors, je vais rentrer aux chambres. Attends, je peux. Vas-y, je te rejoins tout de suite en haut, de toute façon, je t'entends d'ici. Je pose une caméra ici. Voilà. Ça filme bien. Oh là là, le plan caméra, c'est magnifique. Alors, les gars, vous allez voir, c'est assez grand. Donc ouais. Ici c'est le couloir chambre et là-bas sera un couloir salle de bain, mais venez d'abord les chambres. Alors je vais pas passer pour un gros casse-couille, mais voilà. Encore. Ok, d'accord. Ouais. Alors du coup ici ça va être ta chambre, Ronan. Ok. Voilà. Oh putain, les gars, ça change là, ça fait, c'est 10 fois plus grande que mon ancienne. Mon ancienne elle faisait même pas. Oh putain, je suis vraiment content, mec. Franchement, tu fais plaisir. Hein. Avec le petit placard, il y a tout ce que tu veux, voilà. En plus, ils me vont même les vêtements et tout. Si je peux, je pourrais même les emprunter. Ou... Mec, grâce à toi, Nathan, je vais faire 1 million de vues sur YouTube. Ouais. Viens voir, Bobo. Ouais, j'ai ta chambre. Voilà, ici, c'est ta chambre, mec. Aïe, 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 pas mal. Ok. Attendez, fais voir. Elles sont toutes badass. Ah, elles sont toutes badass, ouais, putain. Ah, ouais, c'est la mienne. Ah là là, et là-bas, c'est la mienne. Ah là, elles sont toutes magnifiques. Hein. Oh, c'est joli, hein. Ah oui, il y a quand même beaucoup d'armoires, hein. Il y a quand même beaucoup de rangements ici, hein. C'est clair. Non, mais fais pas attention. Ouais. De toute façon, tant que tu me filmes pas la nuit, moi ça me va. Voilà. Non, on va passer à la salle de bain, les gars. Venez voir. Ouais, fais attention. Venez voir. Ok. Donc, les gars, vous savez que même les lustres, genre, ils m'ont été offerts gratuitement dans la maison de toi. Genre, c'est. Bon, lolo, c'est magnifique. Ouais, c'est tellement mythique et tout. Attends, oh, il y a même une baignoire. Ah ouais, pardon. Juste les gars, cette porte là, n'y prêtez pas trop attention. Au propriétaire, je lui ai demandé il y avait quoi derrière. J'ai pas de clé pour ouvrir cette porte. Puis de toute façon, apparemment, c'est comblé derrière tout ça. La maison, tu peux même pas ouvrir la porte. Non, non. Mais j'ai essayé plusieurs fois d'ouvrir, j'ai pas réussi. Attends, mais moi je vais mettre une caméra. Vaut mieux pas y toucher, mec. Mais je peux pas l'ouvrir, tu vois, le clé est bloqué. Ouais, non, mais les gars, j'ai même essayé avec un pied de biche, j'ai pas réussi, donc bon. Peut-être que ouais, c'est des trucs que dangereux ou quoi, et c'est pour ça que c'est fermé. Starfoula, oui. Ouais, je pense que. Starfoula l'aura dit. Je pense qu'en vrai, il y a pas grand chose, il y a juste genre le. Bah, du gaz, je sais pas trop quoi, les trucs comme ça. Ouais, voilà. Bon, les gars, par contre, j'ai un truc à vous raconter par rapport à cette maison. Attendez. Bon, elle m'a été offerte à un prix d'or, c'est bien parce qu'il y a une raison, vous voyez. Je l'ai acheté 100 000 euros, les gars. Juste pour vous dire, 100 000 euros la maison. C'est vraiment un prix d'or. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas cher pour ce qu'il y a. 100 euros pour une belle baraque pareille, franchement, c'est un prix d'or, on est d'accord. Ah oui. Ah ouais, non, mais voilà. Non, mais les gars, je vous dis. Ouais, quoi. Je vous dis. Bah, apparemment, en fait, dans cette maison, si j'ai eu un prix d'or, c'est parce que. En fait, déjà, elle a l'air depuis des siècles et des siècles. Cette maison, ça fait des siècles et des siècles qu'elle est là. Et puis, il y aurait eu apparemment plusieurs meurtres dans cette maison, mais bon, enfin. Ça, faut pas trop y croire, tu vois. Attends, quoi ? T'es pas sérieux, gros ? Attends, cette maison, elle a une histoire comme ça, mec. J'ai vu 1 million de vues, je vais faire 5 milliards de vues, 500 milliards. C'est clair, les gars. Ah, tu m'étonnes, ça, si c'est un truc connu. Je vais faire un trait d'horreur dans ma chambre, là. Un trait d'horreur dans ma chambre. De toute façon, je vais pas faire, les gars, je sais pas. Bah, je vais faire un trait sur cette maison, c'est quoi l'histoire ? Attendez, j'ai pas fini, parce qu'en fait, cette maison-là, il y avait les propriétaires, enfin, des proprios avant, ils ont essayé de la péter, tu vois. Ils ont essayé de la péter, et une fois qu'ils l'ont pété, genre, la maison, elle était incassable, en fait. À chaque fois, elle réapparaissait. Genre, elle réapparaissait à un autre endroit. Genre, par exemple, imaginons que t'es dans ta maison, tu vas en. Je sais pas, en Suisse. Hop, elle apparaît en Suisse. Quoi ? Ouais, c'est dingue. Putain, mec, c'est carrément flippant. Mais qui croit ça, sérieux ? Écoutez-moi, les gars, vous savez quoi ? Pas, les gars. Si je fais 1 milliard de vues sur YouTube, eh ben merci à vous, les gars. De toute façon, je vais le faire, c'est sûr. De toute façon, je. 1 milliard, ouais. De toute façon, j'ai buzzé parce que j'ai 100 abonnés. Donc, j'ai 100 abonnés, j'ai buzzé. Donc voilà. Et puis, de toute façon, voilà. Ok. Bon, moi, du coup, les gars, moi, j'allais un peu me reposer. Je sais pas ce que vous en dites. Bah, ouais, bah, on a qu'à tous aller se reposer, les gars, parce que là, je suis plein d'émotions avec tout ce que vous m'avez dit. C'est clair. Bah, du coup, bonne nuit. Hein. Enfin, bonne repose. Ouais, bonne repose à vous aussi. Yo tout le monde, c'est Didier, fait des vidéos et je vous en surtout.
Alors, est-ce que ma caméra va bien? Qu'est-ce que... Oh putain, Ronan! Merde, sors de l'eau, sors de l'eau, sors de l'eau! Vite, vite! Allez, allez! Monte, monte! Allez, allez, dépêche-toi, dépêche-toi! Oh putain, ça va, mec? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'es allé dans l'eau? Je sais pas. Je sais pas ce qui mais s'est passé. Tu t'es laissé noyer, là? T'allais mourir si j'étais pas là? Je putain, sentais... mais qu'est-ce gros, t'as 9 ans ou quoi? Je me suis senti bizarre, mais... attention! Mais... quoi, tu t'es... Ouah, tu fais flipper, là, je te jure! Vas-y, va rentrer. Faut qu'on rentre. Ok, vas-y, rentre, rentre. Putain, c'est quoi ce délire? Oh la vache. Je vais lever. Attends, attends, t'es réveillé? Ouais, okay. Moi je suis réveillé. Ok, super, il faut que je te parle à tout prix. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi. Ok, ok. Bon, écoute, il faut que je te parle. Tu vois, hier, Ronan. Ouais. Je l'ai vu de loin. J'étais allé chercher les recs. J'étais allé chercher. Il était vers 3h du matin. J'étais allé j'ai remplacé la batterie, comment dire, de ma caméra en bas. Et devine ce qui s'est passé. J'ai vu Ronan se noyer tout seul dans la piscine. Il a sauté dans la piscine. Il sait même pas nager ou quoi. Alors qu'il sait nager, je le connais par cœur. Il se laissait couler comme ça, mourir. Je sais pas c'était quoi le délire. Quoi? Du coup, ça m'a fait carrément flipper. Heureusement, si j'aurais pas intervenu, il serait mort noyé. Bref, j'ai intervenu, je l'ai fait sortir de la piscine. Il est retourné se coucher, donc là, je suis allé voir, il va bien. Je restais éveillé toute la nuit tellement ça m'a fait flipper. J'ai mis ma montre. Toutes les 300 secondes, j'allais voir dans sa chambre pour voir s'il était encore là au cas où, on sait jamais. Tellement ça m'avait flippé. Donc là, je suis crevé, j'ai des cernes, j'ai pas dormi. Mais j'ai fait des recherches toute la nuit en attendant. Écoute-moi. Ah ouais? Tu vois? Ouais, écoute-moi. Il t'avait dit qu'il y avait combien de gens qui avaient habité cette maison avant toi, le mec qui te l'a vendue? Je sais pas, il m'a juste dit qu'elle était là depuis des siècles. D'accord, il t'a forcément dit il y avait combien de gens qui l'habitaient avant, genre un certain chiffre. Combien? Au moins une centaine, hein. Une centaine, il t'a dit? Ouais. Ok. Eh ben, comment t'expliquer ça? Eh bien... c'est ça? Comment t'expliquer? Quelqu'un qui s'est introduit chez moi? Personne s'est introduit, mais le truc c'est que y a pas 100 personnes qui ont habité ici avant. Comment ça? Il y en a très exactement 2, mais j'imagine qu'il te l'a pas dit. Non. Ok. Viens voir sur mon ordinateur, j'ai fait des recherches. Ouais. Alors attends une minute. Ok, attends, écoute-moi. Ouais, ok, alors. Ok, bon, mince, attends, voilà. Bon, écoute, regarde bien sur internet, tu vois là, tu vois ce que c'est écrit là, regarde. Ok, ouais, famille, attends. La famille T.J. Miller se fait retrouver assassinée dans la maison le 30 décembre 2008. Oh putain, mais c'est récent. 2014. Une famille entière disparaît, l'enfant est retrouvé calciné sur le toit de la maison. Wow, mais c'est hyper récent ce bordel. Et tu vas me dire que t'as vu quoi hier soir, mec? J'ai pas trop compris là. Bah écoute, j'ai pas vu quelqu'un rentrer dans la maison ou quoi, y'avait aucun intrus. J'ai juste vu Ronan, il m'a dit il se contrôlait plus, il sait pas pourquoi il a fait ça, j'en sais rien. Et pourtant c'est pas du tout son genre de fumer des joints ou quoi, il était pas drogué ou quoi, il était complètement, je sais pas, il était à moitié hypnotisé. Écoute, mais c'est pas ça qui me fait plus piper. C'est quoi? Ce qui fait faire un silence en soi, en fait je t'explique. Le mec qui était là en 2014, il avait fait un blog parlant de cette maison. Car c'était un théaste. Et il a mis que la première nuit où il a dormi. Enfin, je t'explique. Il a mis que la première nuit où il a dormi dans cette maison, son ami s'est noyé dans la piscine. Genre, il s'est noyé dans la piscine. C'est exactement ce qui est arrivé à Ronan. Enfin, ce qui allait arriver si j'étais pas intervenu. Et il y avait quoi dans cette vidéo? Il y avait quelqu'un qui... Bah, comment dire? Tu vois, il y avait une caméra de surveillance ici. Et bah, elle y était encore en 2014. Il avait posté une vidéo où on voit se noyer. Bref, en tout cas, ouais. Au début, ils ont considéré ça comme un accident. Du coup, vu que cette maison lui portait malheur, il a dit qu'il est parti. Il a dit qu'à chaque fois où il allait, il tombait toujours sur cette maison. Il est allé dans une agence de voyage. Même pour aller dans un hôtel, pour aller en partir en Guadeloupe dans un hôtel. C'était cette maison encore.
Et il a dit c'est comme si elle la suivait partout. Je sais pas si ce mec est arrivé ou quoi. Il m'a dit il est allé en Suède. Il a loué un chalet. C'était cette maison encore. Qu'il allait, c'était toujours cette maison. Je sais pas. Ouais, sérieusement. Écoute-moi. Je sais pas du tout quoi faire. Bref. En tout cas, personnellement, je vais aller dans les bibliothèques des archives pour voir ça. Je vais amener mon PC parce que je pense. Tu vas faire des recherches sur la maison, c'est ça? Ouais, mais surtout que je vais essayer d'hacker leur serveur. Parce que normalement, c'est privé, ce genre de truc. Je devrais pas avoir accès à ça. Donc, enfin, bref. Je pense que je vais aller voir Ronan. Je prends mon ordinateur. Hop là, voilà, ok, parfait. Je pense que moi, je vais aller voir Ronan, mec, parce que bon. Ok. C'est un truc de se renseigner sur lui, quoi. T'as raison, ok, bon. Écoute, moi, je vais aller à la bibliothèque. À tout à l'heure. Vas-y, et fais attention, tu veilles sur Ronan, d'accord? Fais attention. A plus. Ouais, vas-y, t'inquiète, à plus. A plus. Ronan? Frérot, ça va? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quoi hier soir? De quoi hier soir? Hier soir, avant de dormir? Ouais, ouais. On était tous ensemble et on parlait, enfin. De quoi? Comment ça? Bobo, il m'a dit que bah... t'as vu dans la piscine en train de te noyer. C'est vrai, ça? Dans la nuit? Dans la nuit, tu veux dire? Oui, c'est ça, dans la nuit. Non, je me souviens de rien. Attends. Quoi? Attends, tu peux m'expliquer ce qu'il a vu? Viens voir. Je sais pas, il m'a. Il a dû un peu halluciner, non? Je sais pas, non, mais en gros, il m'a expliqué, donc, qu'il t'a vu. Qui t'a sauvé de la noyade, genre. T'étais à la piscine, montre-moi, peut-être que je vais me souvenir en regardant, attends. T'étais là, exactement. Ici. Il m'a dit là. Ouais, genre... t'étais en train de te noyer ici. Genre, j'étais en train de nager, en train de danser dans la piscine et je me suis noyé comme ça? Oui, c'est ça. Enfin, il m'a dit que tu te faisais exprès de te noyer alors que c'était vraiment pas ton genre, qu'on soit d'accord. Attends, mec. Regarde là. Pourquoi y a ça? Oh. C'est cassé? Attends. C'est un rapport avec ce qui s'est passé cette nuit ou pas? Putain, merde, mais je me souviens de rien. Est-ce que tu es sûr que tu dis de la vérité ou. Bah écoute, je sais pas. Allô, ouais, Nathan, je sais pas si. Attends, je sais pas si t'entends mon répondeur. Je sais pas si t'entends mon répondeur au téléphone. Mais il faut que je te dise quelque chose. Moi en tout cas, je peux pas t'entendre. Écoute, j'ai fait quelques recherches là, j'ai regardé vite fait. Et j'ai trouvé des trucs. Apparemment, c'est pas la maison qui est maudite. C'est quelque chose qui est à l'intérieur d'une pièce de la maison. Attends, t'as entendu mon répondeur là, Ronan? Ouais, attends quoi? Attends, maintenant, ça c'est ouvert, donc tout le monde peut rentrer à tout moment. Et là, maintenant, c'est ça? Ok. Je comprends rien. Reste un peu ici, je vais aller voir un truc en haut, ok? On regardera ça quand Baudry sera de retour après. Tout à l'heure. Ok, mais j'espère que c'est pas grave, hein. Essaye de me rassurer ou. Allô? T'inquiète pas. Allô? Attends, je mets le répondeur, attends une seconde. Allô, tu m'entends? Allô, ouais, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je crois que j'ai un peu mal lu, c'est bizarre, il y a plusieurs sources en fait. Il y a des sources qui disent que la maison est maudite, il y a des sources qui disent que c'est une pièce en particulier qui est maudite. Mais je pense que la source, ouais. Mais en fait, je t'explique. Apparemment, il y aurait une pièce secrète dans la maison dans laquelle on peut absolument pas entrer. Et dans cette pièce, il y aurait un objet, et cet objet dans la pièce, c'est cet objet-là qui rend la maison maudite. Apparemment, ce serait un objet africain, je sais pas, un truc de. De chaman ou un truc comme ça, tu sais, c'est sorcier, je sais pas, un truc démoniaque en tout cas. Oh, mais oui, attends, Bobo, la porte rouge, attends. Ok, je vais aller voir ça et quand tu reviens tout à l'heure, on ira voir à deux, ok? Je vais essayer de l'ouvrir. Ok. Vas-y. Je te laisse. Ah oui, au fait, faut que je dise un truc là. Ouais, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Sur le site, c'est écrit aussi que les portes rouges portent malheur. Voilà, vas-y, je vais y aller. Ouais, vas-y, je. Ok. On se retourne. Putain, la meuf m'a chopé. Oui, attendez, calmez-vous, madame. Ok, attends, vas-y. Ouais, vas-y, à plus. Putain, il s'est fait choper le con. C'est à toi et moi maintenant. Ah putain, j'y arrive pas. Monsieur! Oh, putain! Je vais me le faire! Monsieur! Qui êtes-vous? Monsieur? Monsieur?
putain de merde, mais c'était quoi ça? Monsieur? Monsieur? Putain, mais il a pas sauté par la fenêtre quand même. Oh bordel de crotte. Bon, oh putain. Oh, il fait de l'orage en plus, merde. Bon, je vais aller me poser un peu devant la télé, putain, c'est... Ce sera putain de merde. Ok, on n'en est plus. Hop, hop, hop. Attends, il faut que j'aille chercher une bière, moi. Vas-y, vas-y. J'y vais, je te laisse. Tu sais quand Bobo sera de retour ou pas? Je sais pas, oh, il est parti. Oh bah. Enfoiré. Comment ça? Oh. Ça va quoi? Oh. Oh les gars, salut les gars. Ouais. Eh les gars, j'ai... Bon, du coup, quand cette connasse m'a chopé, heureusement j'ai pu voler les livres et je me suis barré en courant de la bibliothèque, je me suis fait poursuivre pendant 2 heures par des espèces de villes. Putain. Bref, okay, j'ai pris le train, mais je l'ai semé, je suis arrivé ici. Les gars! Ok, ok. Ouais. Et les gars, il faut que je vous dise un truc, par contre, les gars, vraiment, c'est hyper chaud. Est-ce qu'Aronan, il est là? Il est dans la cuisine en train de se prendre une bière, je sais pas quoi. Viens, attends, allons-y. Ouais. Non, mais laisse tout seul, mec, hein, on sait jamais. Ouais, t'inquiète. C'est sous cette putain de cuisine déjà là. Oh, je sais plus, moi je connais pas bien cette baraque. Allez en bas à la cuisine. Ok, ok. Ok, bon. Attends. Ah. Ouais. Bon, du coup. Ouais, du coup, faut que je vous explique un truc, les gars. Écoutez, j'ai vu sur un livre que la secte. Enfin, que. Comment dire. Que. Enfin, cette maison appartient à une secte qui veille ici. Qui a fait des meurtres, etc. et tout. Mais non. C'est... Attends, c'est quoi? Mec a trouvé ça où en fait C'est un livre qui est des... c'est les archives. Oh putain de merde. En gros, écoutez les gars, c'est vrai. Oui, je suis sur les archives. Écoutez-moi les gars, c'est la vérité. Bon, il faut vite qu'on se barre de cette baraque. Enfin, oh putain, on va oublier, putain, c'est vrai que on peut pas. Les gars, on peut pas la laisser ici. Putain, j'ai payé ça 100 000 euros. Oh putain, j'ai le seum. Écoutez-moi les gars. Pourquoi on va et nous suivra, je sais pas, avec tout ce qui s'est passé, il y a peut-être moyen d'y croire à ce truc. Écoutez-moi, je pense en vrai déjà, on devrait peut-être partir de ces maisons, de cette maison, un truc comme ça, je sais pas. Mais écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir arrêter cette malédiction, c'est de défoncer la porte rouge et de casser l'objet. De défoncer la porte rouge? Oui, mais non, mais pas que ça, il y a un objet caché dans cette porte, derrière, dans cette pièce. Il faut casser l'objet qu'il y a dedans, et ça interrompra la malédiction. T'en es sûr et certain? Ça peut peut-être être dangereux, non? C'est ce qui est dit, c'est ce qui est dit. Ok, bah... qu'est-ce qu'on attend? Je sais pas, on... Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Oh putain, ça... Oh non, c'est parce que j'ai volé le livre. Les gars, moi, je vais continuer à travailler dans la cuisine. Oh putain. Attendez, Monsieur je vais vous le rendre, je suis désolé. Ah voilà. Messieurs, j'ai un mandat pour votre maison. Il y aura apparemment eu un crime dans le quartier. Quoi? Du coup, quoi? On m'a envoyé pour visiter votre domicile. J'ai mon mandat avec moi, si vous voulez le lire. Oh putain. Du coup, j'aimerais s'il vous plaît visiter l'intégralité de votre maison. Oui, y a pas de problème. Putain, c'est toi qui as appelé les filles ou quoi? Oh, j'ai rien appelé du tout, qu'est-ce que tu racontes? C'est qui? Attends, il est en train de visiter toute notre maison, apparemment il y a eu un crime hier. Bobo? Faites pas une caméra, hein, monsieur, c'est... Ouais, non, c'est la... T'inquiète pas, c'est pas par rapport à Ronan hier. J'en sais rien du tout. Il y a peut-être quelqu'un qui a... Tu l'as laissé la journée? Ronan, tu l'as laissé la journée? Il a dit qu'il pouvait plus se contrôler alors. Mais non. Se trouve, il a appelé les flics. Ça se trouve, il a tué le mec du quartier? Putain. Putain. Bon, rien dans la cage, je continue. Ouais. Ok, ok. En haut, c'est les chambres. Putain, on me suit. Ok. Vous avez combien de caméras pour cette maison là? C'est pas croyable. T'en as pris combien, Bobo? Non, mais je vous ai dit de faire pas attention, je vous ai dit de pas faire attention, c'est. C'est normal. C'est nous, on est un peu des vidéastes sur YouTube. Enfin, surtout mon pote Bobo. Et du coup, il aime bien filmer nos. Encore c'est délire de jeunes. Je suis très connu parce que j'y suis abonné. Bon, rien ici, je vais passer à la salle de bain. Ok. Putain, on a rien de. On a pas de trucs stupés. Voilà, on a rien. Pas de stupéfiants.
J'ai caché un joint dans un livre, mais y a rien. Ah, j'espère. Ni dans la baignoire, non, mais... ni dans la douche. Bon, Ah, monsieur, ça on peut pas l'ouvrir par contre. Je n'ai pas la clé de celle-là, je... Elle inouvra, monsieur, je jure, même. Je vais chercher un pied de biche dans mon véhicule. Ok. Attends, Bobo, t'as pas dit que si on ouvrait cette porte, écoute-moi, on sera pas maudits si on ouvre cette porte, on l'est déjà, à partir du moment où on achète cette maison. Écoute-moi, il faut qu'on casse l'objet qu'il y a dedans, il ouvre la porte, on saute sur l'objet, on le casse, on dit « Oh bah mince, j'ai glissé !» Et voilà, tout est fini, en douceur. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Bordel, attends, faut qu'on aille le voir. Attends. Oh merde. Oh putain. Oh merde. Faut qu'on aille voir ce qui s'est passé. Allez, vite. Oh putain. Oh bordel, y'a un arbre qui s'est écroulé. Oh, il est mort. Faut qu'on voit s'il va bien. Putain les gars, c'était quoi ce bruit? Il est mort. Les gars, il est écrasé. Sa tête, elle est découpée en deux. Ronald, c'est quoi, c'était quoi, il s'est passé quoi, c'est quoi ce boom? J'étais en train de classer les bières, tout ça. Qu'on appelle l'ambulance. Non, mais putain, on appelle rien du tout, on appelle rien du tout. T'imagines, on appelle les gars, on l'a tué. On a mort. Expliquez-moi. Expliquez-moi les gars, je comprends rien. C'est un défunt ici qui vont croire qu'on l'a tué. C'est débile ou quoi? C'est ça, ils vont croire qu'on l'a tué et on va aller en prison, les gars, on finira en prison. Non mais pourquoi on l'aurait tué? C'est un arbre qui lui est tué. Putain, mais les gars, on sait pas, imaginez, on sait pas. Il y a un arbre qui est tombé, vous allez m'expliquer qu'il y a un arbre qui est tombé, alors comment il a pu tomber? Putain, vous me cachez des choses ou quoi? Je comprends pas, j'ai l'impression de rien comprendre. J'en ai un, il est parti chercher un truc et il s'est effondré. Putain, on aurait pu grave bien s'en sortir si tu m'aurais écouté. Tu fais chier, je me casse, je vous laisse dans votre merde. Je te jure, demain on se barre à la première heure. Bobo, demain on se barre à la première heure. Reviens, mec. On dort ici cette nuit, demain on se barre. Ok. On peut pas dormir dehors, les gars, c'est trop dangereux en plus. Si jamais. Non, on peut pas. Faut vraiment vous que. Quoi, les gars si... Vous savez quoi, les gars? On va se reposer, ok? Et demain, on se réveille et on se casse. Putain, ouais. Bah, écoutez, je vais me payer un hôtel juste cette nuit. Demain, je vous accompagne, d'accord? Je reviens, d'accord? Juste me payer un hôtel, je sais qu'il y en a un, il y a tout près, d'accord? Ouais, si tu veux, au pire. Allez. Mais bon, enfin, comme tu veux, bah, si tu veux revenir, tu toques à la porte, ok? Ok. Ah, viens, Ronan. Putain, c'est... Je comprends rien, mec. Je commence à flipper. Dès le début, tes histoires que tu nous as racontées, en fait, c'était vrai. Putain. Je savais pas. Je pensais qu'on allait enfin vivre de... normalement, qu'on allait plus dans un appartement, tout ça, et... Bref, bonne nuit. Allô, tu m'entends, Nathan? Allô? Ouais, allô, Bobo? Je suis en face de la maison. Ouais. C'est la maison. Je suis dedans. Quoi? Je suis dans la maison là. Attends. Allô. Putain. Allô. 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 Tu m'entends? Attends, je le capte plus. Ronan, t'as coupé la co? Non. Je sais pas. Je viens de perdre le contact avec Baudrouille. Attends. Il y a plus de réseau, ouais. Il se passe quoi? Ouais. Moi, c'est quoi? On va se coucher. On va voir ça demain matin. Okay ouais. Peut-être avec les arbres ça qui sont tombés, ça a dû interrompre. Bon, on verra ça demain. Parler d'une maison qui est dans une maison, c'est quoi ce bordel? Putain. J'arrive pas à dormir, c'est incroyable. Avec sa caméra qui me filme là. Oh, ça a sonné. Bon, je vais aller voir. Bon, on a les doigts. J'arrive. Oh putain. Bobo? Attends, j'arrive. Pour moi vite. C'est bon. Faut que tu dises quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Je suis allé à un hôtel et c'était la même maison ici. Comment ça, un hôtel, c'était la même maison? Je t'explique. Il y avait un hôtel. Il y avait un... Et je t'explique. En gros, il y a... Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois. En fait, à chaque fois que je vais entrer dans un appartement, c'est toujours cette maison-là. Genre, je t'explique. Imaginons l'hôtel. Il était de ouais. Le je le voyais. C'était un tout petit hôtel d'une chambre. Et à l'instant où je suis entré dans la chambre. Je suis entré dans la maison ici. Sauf que c'était différent. Sérieusement? Ouais, je te jure. Cette maison, c'est comme si elle suivait. Je te jure. Putain, je sais pas quoi faire demain, même temps. Tu veux rester ici cette nuit? On se part demain matin, t'inquiète pas, ça va aller, mec. Ok. Je vais dormir, je suis crevé là, putain. Ouais, vas-y, mec. Putain de merde, c'est quoi ce... Ouais, bref.
Vas-y, bonne nuit, Bobo. Bonne nuit. Qui fait? Oh! Oh, Nathan, tu fais quoi là? Il est loin de toi! Putain, Nathan, réveille-toi! T'arrives quoi là? Je sais pas. Mais, Nathan? Oh putain. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu foutais? Je sais pas. T'as failli te tuer! Excuse-moi, oh bordel, faut qu'on s'en aille maintenant! Ronan, il est où? Oh putain, Ronan! Je sais pas. Oh bordel, Ronan, il est où? C'est le matin. Oh, qu'est-ce que je fous là? Oula, c'est quoi ce délire? Pourquoi t'es dans ma chambre? Je sais pas. Putain, c'est quoi ce putain de bordel? Ok on y va. Ok, on y va. Ronan, réveille-toi. Putain, c'est vrai, c'est le matin. Les gars, on se dépêche. Oh putain, allez, on se casse. Allez, on dégage. Courez, ici, c'est bon, on s'en fout. On s'en bat, j'ai tout payé, on s'en fout. Allez. Attends, Bobo. On se dépêche. Le pied de biche. On va enfin aller voir ce qu'il y a. Oh oui, parfait. Parfait. Super, allons-y. On va vite fait découvrir un peu ce qu'il y a dans cette porte avant de partir. Ok. Faites gaffe. Venez. Je vais faire péter les serrures. Attention. Ok. Une serrure de péter. Oh putain. Casse la deuxième. Allez, putain de merde. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ça? Depuis le début. Attendez les gars, y'a un petit bruit dans ton crâne. Attendez, j'ai pas de ça les gars. Putain. L'objet qu'il faut casser, c'est ce squelette là. Oh merde, mais je touche pas à ça moi mec, c'est mort. On peut pas toucher à ça, c'est dégoûtant, c'est notre peuple, on peut pas. Putain les gars, vas-y, moi je me casse vraiment. On dégage. On s'en fout, c'est pas grave. C'est quoi ça? Ça m'a entendu? Ouais. Quoi? Ça m'a entendu un bout? Ok, on se casse. Les gars, j'ai trouvé... On part. J'ai trouvé une itinéraire où aller. Je pense que c'est vraiment une bonne solution, ok? On tue. Ok. Ouais, suivez-moi les gars. Putain de merde. Oh, c'est quoi ce bordel? Ronan, tu sais comment ça se fait que je me suis réveillé en même temps que dans le lit que Baudrouille là? Attends mec, ça me fait penser à quelque chose. Quoi? T'as entendu des bruits hier soir ou je sais pas? Est-ce que tu tiens quelque chose dans la nuit ou pas? Est-ce que t'as... Non, rien du tout. Je sais pas, parce que moi, comme par hasard, je me sens... Est-ce que tu te sens bizarre ou tu te sens normal? Je me sens normal, comme si... Enfin... Ah, je sais pas, moi, c'est compliqué. Ouais, oh, c'est froid ici. Même Bobo, il s'en souvient pas? Non, il s'en souvient pas. C'est bizarre, moi. Moi, je dormais, je peux pas vous aider. Putain. Je pense que c'est pas très grave, de toute façon. C'est pas très important, faut qu'on parte d'ici maintenant. Ouais. Au plus vite, parce que là, c'est... Je retourne plus jamais dans la région, hein. Ah, moi non plus. Les gars, la première maison qu'on trouve, on toque dedans, ok? On toque et on demande à l'aide, ok? On est dans la neige. Vous pensez vraiment qu'on va trouver une maison ici? Je sais pas, moi. Oh, j'espère que la malédiction disait faux. Oh putain. Il y a un bruit là-bas. Oh. Ah ouais? Mais non. Il y a une maison. Oh putain. Attends. Elle ressemble quand même pas mal à... Oh attends, faut se rapprocher. Ouais, faut se rapprocher. Les gars. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Moi je vois pas très bien d'ici, mais... Peut-être c'est notre seule chance de s'en sortir, peut-être. Pensez-vous? On devrait peut-être aller toquer là-dedans, hein, Bobo, t'en dis quoi? J'en dis que c'est une bonne idée. Ouais putain, ouais, t'as raison. Allez. Oh, merde. Putain, je suis déjà fatigué, moi, en plus. On devrait être assez loin de cette foutue maison là. Putain. Ouais, je pense que on est en sécurité maintenant. Oui, t'as raison. Vas-y, je vais toquer les gars.
Attendez, mais c'est la même maison, vous voyez pas? Les bandes? Putain, c'est la même! Elle était ouverte aussi? Attends, elle est ouverte alors qu'on a laissé la maison. Les gars, y'a quelqu'un? Excusez-moi. Ah, bonjour. Les gars. Bonjour. Bonjour. Vous attendez. Vous pouvez rentrer si vous voulez. Je vais vous faire visiter un peu ma maison. Vous attendez? Qu'est-ce que c'est? On fait quoi? Comme ça, vous les attendiez? Vous pouvez rentrer. Hein. Putain, mais les gars, c'est exactement pareil. Il y a l'aquarium avec les mêmes poissons. Je vais vous faire visiter. Putain, mais c'est pareil. Salon. C'est quand même bizarre. Oh putain. Une cuisine. Oh, les gars. Mais non. Non. Oh non, je peux pas y croire. Putain, les gars. Non. Il y a exactement putain, les... Exactement pareil. Putain. Je vais vous montrer la même marque. Putain. Comment ça, monsieur? Je vais vous montrer ma pièce préférée. Pièce préférée? Putain. Ça. Oh non. Oh putain. Les gars. Mais non. Mes amis s'occuperont de vous. Putain de merde. Vous avez dit quoi? Mes amis s'occuperont de vous. Oh merde.